Bonjour tout le monde, bonjour à toi. J'avais envie de partager un petit moment, euh, un peu plus d'intimité, euh, un sentiment que je vois qui est partagé euh, en ce moment par euh, toutes les personnes qui, quelque part, s'engagent ou se sont engagées à un moment donné dans leur vie pour la liberté, euh, un sentiment de, de solitude, un sentiment de... peut-être de découragement, euh, un sentiment de, de nostalgie d'ailleurs, euh, qui est en, en ce moment assez lourd en fait à porter. Et je crois que c'est important en tous les cas pour moi de montrer que... Bah, J'ai beau, euh, beau avoir une facette euh, très forte, euh, très dans l'action, qui, euh, qui est dans, dans, sa, dans sa lumière, dans, euh, dans, la, dans le partage, dans tout ça, euh, j'en suis pas moins femme, j'en suis pas moins fragilisée, j'en suis pas moins touchée parce que que nous vivons euh, comme fracture euh, en ce moment. Euh, on, on revit euh, en ce moment dans nos vies, quand on n'a pas de pas le document officiel qu'il faut, euh, ce sentiment de, de rejet. Euh, Ce sentiment, peut-être même de culpabilité, presque quelque part, d'avoir euh... <laughs> quand, je, quand je dis ça, je vois l'image de Eve qui croque la pomme, voilà, et, et quelque part, euh, c'est intéressant parce que c'est l'inverse, c'est euh... D'un côté, Eve a été euh, renvoyée du jardin d'Eden parce que eh bien elle, elle avait croqué la pomme euh, du, du plaisir. Euh, donc il y avait cette, euh, cette injonction, cette croyance derrière que cette image que bah, si on, on, on s'ouvre au plaisir, si on répond à cette euh, pulsation, cet instinct du plaisir, alors du coup on, en allait, on allait en payer le prix. Et aujourd'hui, eh bien, on vit euh, le fait que <laughs> si tu fais le choix de, de la liberté, si tu fais le choix de, de suivre cette impulsion du cœur, eh bien, là aussi, et que justement, tu ne cèdes pas à cette injonction de la société d'aller dans le plaisir, d'aller dans le confort, d'aller... Euh, euh, juste euh, profiter de tout ce que la société nous, nous, nous propose, eh bien, tu te faisais rejeter. Alors, du coup, c'est violent. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi notre place Elle est où notre place Et ça te renvoie à. En tous les cas, moi, ça me renvoie à cette, euh, à cette blessure du vilain petit canard. Que quoi que je fasse, Quoi que je fasse, que je sois gentille, que je sois en colère, que euh, de toute façon je serai -je rejetée. C'est une croyance, c'est pas la vérité. Et je crois que vraiment en ce moment, on, on est en train de, de, de traverser euh, de traverser ça, de traverser cette une, une énergie de, de, de tristesse profonde. Euh, en lien avec euh, aussi, alors je vais aller un peu loin là-dedans, mais euh, c'est pas grave, maintenant j'assume. Hein. Euh, en lien avec euh, la, la, la souffrance euh, de, de Jésus sur la croix, c'est euh, Jésus s'est sacrifié, mais en fait, c'est une part de nous hein, qui, qui se sacrifie, et en fait. Euh, on, on a l'impression la, 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 il n'y ben, a pas tant d'humains qui s'éveillent que ça et moi je vois bien en ce moment qu'il y a une part de moi qui ressent un peu de frustration euh, face à des personnes dont je vois qui ont vraiment euh, tout à l'intérieur d'eux pour euh, manifester et et exprimer leur, leur brillance et leur intelligence et leur éveil de conscience, mais qu'il y en a beaucoup qui restent un peu au fond de leur grotte. Et, et ça me ça me rend très triste parce que parce que je sais que tant que les les personnes éveillées resteront au fond de leur grotte, et ben l'humanité est pas prête de changer en fait. Et, euh, et, et ça, ça m'attriste, en fait. Euh, pour moi, c'est du gâchis. Il y a une sorte de gâchis. Et, et en disant ça, euh, j'ai conscience aussi que bah, je ne suis, suis pas toute puissante et que chacun a son rythme d'éveil. Euh, et qu'il y a certainement encore quelque chose qui à l'intérieur de moi euh, une, une foi en fait un appel un appel à la foi totale un chemin de foi à continuer encore et encore de faire confiance de de ne pas céder encore une fois à euh, l'illusion de ce que je crois voir en réalité euh, il y, a, il y a quelque chose qui me dépasse et même si je suis euh, j'ai déjà un niveau de conscience assez fort, euh, bah, il y a encore des choses certainement qui m'échappent et je dois accepter ça. Et je dois vraiment m'en remettre à, au grand tout, à la source euh, et moi continuer mon chemin, être vraiment dans ce chemin de la foi, et accepter que je de le traverser avec cette sensation d'être toute seule, même si c'est douloureux. Euh... Et c'est ça que j'avais envie de partager. Et le fait que j'ai envie de partager beaucoup de vidéos, euh, bah c'est aussi certainement pour rompre un peu une solitude que je ressens. Parce que, quand, euh, en tant que en tant qu'éveilleuse de conscience, je, je vis en fait des moments très forts, des moments intenses de reliance, de connexion avec les personnes que j'accompagne. Mais c'est des moments éphémères. Euh, de, en, en, en tant que personne, en, en tant qu'humaine, je, je vois bien en fait, en ce moment particulièrement, ma difficulté à être dans la joie, ma difficulté à être dans la légèreté. Il y a quelque chose de, de, de pesant. J'accueille, hein, mais, mais c'est pesant. Parce que je, je crois vraiment que je, 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 je traverse en fait... Euh, des chemins que j'ai déjà empruntés, hein, cette sensation d'être seul au monde, <laughs> j'ai l'impression que je suis née avec ça. Et, et de, re, de continuer à, à me laisser traverser de, par ces, ces, ces émotions-là et à la fois de me connecter à cette source, au divin, de, de me reconnecter à, à mes guides. Euh, et ce n'est pas, pas toujours facile puisque je ne les vois pas. Il n'y a personne qui voit qui tout, tout le monde. Et, et pourtant, je, je sens que des fois, ils sont là, en fait. Et puis, il y a des fois, il y a mon mental qui reprend le, le dessus, qui est dans le faire plutôt que dans le ressentir. Parce que ça, c'est aussi bien pratique quand, plutôt que de. Ben de s'ouvrir à, à l'émotionnel et à la tristesse, à tout ce qu'il y a là derrière, eh bien, euh, je, je fais une vidéo pour, pour à la fois en parler, c'est chouette, mais je vois aussi qu'il peut y avoir euh, un, un petit, une petite stratégie de mon ego de ne pas euh, le, le, le vivre vraiment en profondeur ne pas ressentir cette euh, profonde nostalgie. Et pourtant, je sais que c'est la seule solution de, de me détacher de ça, de me laisser complètement traverser et de demander le soutien de, euh, de mes guides, de, de mes êtres de lumière pour euh, nettoyer ça. Et de passer du temps dans la nature, euh, de me faire du bien de retrouver le lien avec moi-même plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur. Mais à la fois, nous sommes aussi des êtres sociaux. Donc euh, c'est donc légitime aussi de, de ressentir cette, cette profonde solitude. Voilà. Et je, je crois que nous sommes plusieurs en ce moment à... À, à vivre ça et je crois que c'est important de, bah de le partager parce que déjà quand on partage on se sent moins seul. <laughs> voilà. Je t'embrasse, à bientôt.